Et salut à tous, c'est Startor, on se trouve pour une nouvelle vidéo sur Minecraft. Donc aujourd'hui je vais vous présenter le mode Iron Chest. Donc c'est un mode qui rajoute des coffres. Donc c'est parti. Donc de base vous pourrez faire seulement le coffre de fer, d'or, de diamant, de cristal et d'obsidienne. Pour ces deux là il faudra rajouter des modes, mais vu, enfin je vais pas présenter deux modes en même temps, donc on les fera pas ces deux là. Donc on va déjà se faire les 5 coffres avec les matériaux de Minecraft simplement. Donc pour ce faire, pour le coffre en fer, donc il vous faudra un établi, donc pour pouvoir faire tous les coffres bien sûr. Et pour le coffre en fer, il vous faudra un coffre en bois normal. Vous l'entourez de lingots de fer. Hop. Et voilà. Donc ça vous fait votre coffre en fer. Donc on va le poser là. Pour le coffre en or, vous allez dans l'établi, vous prenez votre coffre en fer et vous l'entourez de lingots d'or. Voilà. Coffre en or fait. Pour le coffre en diamant, vous prendrez votre coffre en or, vous mettiez un diamant de chaque côté, droite et gauche, et des blocs de verre dans les trous manquants, enfin dans les cases manquantes quoi, et ça vous fait votre coffre en diamant. Ensuite, pour le coffre en cristal, vous prenez votre coffre en diamant, que vous entourez, hop, de blocs de verre, voilà. Et pour finir, le coffre en obsidienne, donc il vous refaudra un coffre en diamant. Vous mettez votre coffre en diamant au centre, de l'obsidienne tout autour, et ça vous fait donc votre coffre en obsidienne. Donc ensuite, on va regarder un peu les places dans les coffres. Normalement, il me semble que ça s'agrandit au fur et à mesure. Donc là, on a cette place-là. Là, on passe à un peu plus grand. Enfin, mon écran n'est pas assez grand. Enfin, si, c'est bon. Donc ça fait toute cette taille-là. Donc je pensais que ça allait plus haut que ça. Pour le coffre en diamant, il est encore un peu plus grand. Pour le coffre en cristal, ce qu'il y a de bien, c'est que on voit les choses posées à travers. Donc voilà, on peut voir à travers qui j'ai posé des diamants, des blocs de verre et des blocs d'obsidienne. Et pour le coffre en obsidienne, eh ben, il est encore un peu plus grand, il me semble. Et donc, voilà. Donc, on se retrouve tout de suite pour la deuxième partie de cette présentation. Allez, à tout de suite. Et re tout le monde, donc c'est bon, on est parti. Donc, on va pouvoir continuer la présentation du mode. Donc là, je vais vous présenter les améliorations de coffre. Donc, c'est parti. Donc, par exemple, les améliorations de coffre, elles se trouvent... moi, je les ai prises ici, donc dans le menu créatif. Hop. Pour les crafter, donc voilà, c'est simple, vous prenez votre lingot de fer entouré d'or pour le coffre en... pour passer du coffre en fer à coffre en or. Pour passer de coffre en or à coffre à diamant, bah vous faites pareil à chaque fois que les coffres que je vous ai montré avant. Sauf qu'au lieu de mettre un coffre en or au milieu, vous mettez un lingot de fer, un lingot d'or, etc. Donc voilà, donc ensuite, une fois que vous avez vos améliorations, donc là, c'est de coffre en fer à coffre en or, je clique dessus et mon coffre en fer se transforme en coffre en or. Ici, de coffre en or à coffre à diamant. Ici, de coffre à diamant à coffre en cristal. Et ici, de coffre en diamant à coffre à obsidienne. Donc voilà, c'est les améliorations, c'est un peu plus simple à faire que d'avoir tous les matériaux qu'il faut, comme je vous ai montré avant. Parce que là, vous prenez donc l'amélioration. Je vais vous remontrer ça. On va prendre par exemple l'amélioration de coffre comme ça. Je vous ai montré dans la partie juste avant que pour faire un coffre en or et en fer, il fallait donc mettre par exemple au milieu un coffre simple entouré de fer. Et pour un coffre en or, un coffre en fer au milieu entouré d'or, pardon. Et donc là, donc pour faire votre coffre en or, vous aurez juste à faire un coffre en fer. Ensuite, mettre un lingot de fer et des lingots d'or autour pour faire une amélioration. Et vous tapez sur votre coffre en fer, pardon. Vous tapez avec ceci sur votre coffre en fer et vous aurez un coffre en or. Donc voilà, c'est tout pour cette petite présentation de mode. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à liker. Et si vous voulez que je vous présente d'autres modes, n'hésitez pas. Allez, à bientôt.